Yelelele. Ae. Abramu no ya na werimu. Abramu we mi yo no ya na werimu. Abramu la go kamu wasele. Tobao. Yeah. Itamo. Yeah. Ton je t'appelle. Akamu wasele munu. Akamu wasele munu. Yeah. Yes, igbo. Yeah, gela izigbo. Ton je t'appelle non lui ta vie. Abraham alaga kamu wasele iye jolo. Yeah, yeah, yo. Yeah, yeah, yo. Ah, yeah. C'est vrai que tu souffres ton échec dans ta vie. C'est vrai que tu es désespéré et abattu. Mais il y a un nom qui peut te sauver. Il y a un nom qui peut te guérir. Tes affaires sont bloquées, ta vie est compliquée. Malgré tes efforts, tu n'y arrives pas. Mais il y a un nom qui peut tout changer. Il y a un nom qui peut te bénir. Yemunu yelibonu. Aïssé, yemunu yelibonu. Mumu yeah. Yeah. Alléluia. Recevez la grâce du Seigneur. Recevez le Saint-Esprit. J'envoie cette vidéo à tous ceux qui sont abattus, qui ont peur, qui se sentent désespérés. Ce chant n'est pas mon chant. Je n'ai aucun droit là-dessus. C'est le groupe Eden, chantre de l'Éternel. Oui, les filles, vous avez assuré grave. Vous portez très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire dans le milieu des chantres dans le monde entier. Recevez la grâce du Seigneur. À travers ce chant, j'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, la louange, ce n'est pas forcément quand on est content. Même quand on est stressé, même quand on est désespéré, même quand on a peur, on peut mettre un chant de louange et louer Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu siège dans les louanges de son peuple. Disons au Seigneur que ton règne vienne. Quel que soit là où vous allez mettre cette vidéo, là où vous allez prier avec, vous installez le règne de Dieu. Présentement, la Côte d'Ivoire traverse une situation où tout le peuple a peur. On a peur de revivre les années passées de souffrance, de guerre. Mes frères, mes sœurs, c'est Dieu qui guérit les nations. Il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses fautes, de ses péchés, il dit, je guérirai sa nation, je guérirai son pays. Ça veut dire quoi? Un pays peut être malade. Une nation peut être malade. Prions le Seigneur. C'est lui qui guérit les pays. C'est lui qui guérit les nations. Kéirimon Sayon de Bré. Oh Dieu. Partout, Seigneur, où les gens vont prier avec cette vidéo, que ton règne vienne. Apporte la solution. Si le problème se trouve dans la nation, guéris-la. Si le problème se trouve dans la famille, guéris cette famille. Si le problème se trouve dans le couple, guéris ce couple, Seigneur. Papa, dans le monde entier, c'est la mort. Ici en Europe, c'est le coronavirus qui bat son plein. Tous les jours, les gens meurent comme si c'était la guerre. En Afrique, c'est la politique. On n'arrive pas à s'en sortir avec la démocratie, Seigneur. Il y a des pays qui s'en sortent, mais ils ne sont pas nombreux. Ceux qui ne s'en sortent pas dans la démocratie en Afrique sont plus nombreux. Oh Dieu, guéris notre continent. Guéris nos nations. Guéris l'Europe du coronavirus, du cancer, de l'incrédulité. Guéris l'Amérique. Guéris l'Asie. Guéris tous les continents du monde parce que chacun a son problème particulier. Okamu wazele unuo. Okamu wazele unuo. Yeah. Yezigbo. Yeah. Yela izigbo.
C'est vrai que tu souffres trop d'échecs dans ta vie. C'est vrai que tu es désespéré et abattu. Mais il y a un nom qui peut te sauver. Il y a un nom qui peut te guérir. Tes affaires sont bloquées, ta vie est compliquée. Malgré les efforts, tu n'y arrives pas. Mais il y a un nom qui peut te bénir. Il y a un nom qui peut te guérir. Nous avons des ressources, nous sommes riches. Mais Seigneur, c'est toujours la guerre, c'est toujours les mésententes. Nous avons peur. Le peuple est dans la détresse. Toi, le Père de tous les hommes. Toi, le Père de tous les esprits. Toi, de qui tout vient. Nous crions à toi que ton règne vienne. Partout les gens où les gens prieront avec cette vidéo, installe ton règne. Envoie la paix. Délivre, guéris, libère, au nom de Jésus. Quand le problème est réglé de manière spirituelle, alors physiquement les solutions sont trouvées. Il est important qu'on puisse s'entendre, afin que la paix soit entre nous. Quand Dieu a créé chacun de nous pour l'envoyer sur terre, c'est parce que chacun a sa place sur cette terre. Chacun a sa place, mes frères, mes sœurs. Disons à Dieu, fais descendre ton règne. Son règne envoie la paix. Son règne envoie l'amour. Son règne envoie la joie. Son règne envoie la guérison. Son règne envoie la délivrance. Son règne envoie la prospérité. Son règne donne la longévité, la santé. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Eva. Moi j'ai trouvé Yahvé Jiré dans ma vie. Eva. Kibozi on dit prohibitement. On ne peut pas reculer. Toujours en Jésus, la victoire est devant. Quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, ils sont passés par la mer Rouge. Souvent quand on traverse des périodes difficiles comme ça, on se dit, mais et les prophéties que Dieu a dites sur ma vie? On se demande où sont passées ces prophéties? Est-ce que ça ne va pas s'accomplir? Est-ce qu'on va mourir là maintenant, mon frère, ma soeur? Dieu savait qu'Israël allait passer par la mer Rouge. Dieu savait qu'Israël allait passer par la mer Rouge. Mais il a dit à Israël, je vous envoie à Canaan. Je vous envoie à Canaan, pays où coule le lait et le miel. Les prophéties que Dieu a dites sur ta vie, sur ta famille, sur le pays, sur la nation, ces prophéties-là s'accompliront. Parce que Dieu n'a pas de projet de souffrance pour nous. Dieu n'a pas de projet de misère, de projet de haine, de projet de destruction pour nous. Non, il a des projets de prospérité, des projets d'amour, des projets de gloire. La Bible dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Quand Dieu nous envoie sur la terre, il met en nous des qualités. Et l'univers, le monde, les hommes autour de nous, tout autour de nous, afin que ces qualités-là puissent éclore, sortir de nous. Quand on met un noyau, par exemple un noyau de mangue, en terre, ça doit mourir et germer et produire une plante. Cette nouvelle plante va grandir et elle aussi produira des mangues. C'est ça. Ça veut dire que ce noyau a été révélé. Ce qui était en lui est sorti. Il y a des choses en toi qui vont sortir. Mais tu vas passer par des épreuves, par des situations qui te font mourir dans la terre pour que tu puisses germer. Et ça se passe aussi pour les nations. Ça se passe aussi pour les peuples. Ça se passe aussi pour les familles. Prions que la main de Dieu nous soutienne, quel que soit ce qu'on traverse, et que le Seigneur limite les dégâts. Que le Seigneur fasse l'économie des vies. Que le Seigneur nous fasse grandir. Et que ces situations-là ne brisent pas notre foi. Que ça ne désespère pas beaucoup de personnes et qu'ils ne lâchent pas la main du Seigneur. Oui, Jésus était dans la barque. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Mais ça n'a pas empêché la tempête de se lever. Donc mes frères, mes soeurs, il y a des temps où on doit invoquer beaucoup plus Dieu. On prie Dieu tous les jours, hein. Mais il y a des épreuves, il y a des situations qui nous amènent à nous rapprocher plus de Dieu. Qui nous amènent à plus invoquer Dieu. Et quand vous invoquez le Seigneur, dites Seigneur que ton règne vienne. C'est une prière qui veut dire beaucoup de choses. Nous, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. On ne sait pas ce qui est bon pour notre pays. On ne sait pas ce qui est bon pour chaque être humain. Mais quand tu dis, Seigneur, que ton règne vienne,
Alors quand la présence de Dieu descend, chacun y trouve pour son compte. Chacun y trouve pour son compte. Mon frère, au moment où tu étais en formation dans le ventre de ta mère, il y avait d'autres bébés en formation. Et Dieu n'a pas oublié quelque chose sur toi. Il n'a pas aussi oublié quelque chose sur eux. Voilà, ça veut dire quoi? Chacun de nous a sa part. Ta bénédiction est là. Tes grâces sont là. Tout ce que Dieu a prévu pour toi est là. Mais il y a des situations dans lesquelles on va passer. Ouais. Jésus lui-même, il est passé par la mort, il est ressuscité. Donc, prions que Dieu nous donne la force. Prions que Dieu abrège ces mauvais jours-là. Prions que Dieu chasse ces mauvais esprits. Parce qu'à la base, il y a des démons qui nous amènent à nous faire du mal les uns aux autres. Il y a des démons qui nous amènent à nous faire du mal les uns aux autres. Qui nous amènent à ne pas nous entendre. Il y a des esprits impurs qui agissent dans l'atmosphère. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités spirituelles, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux qu'on a à lutter. Donc envoie-leur le feu au nom de Jésus. Libère l'atmosphère de ta maison. Libère l'atmosphère de ton lieu de travail. Libère l'atmosphère de ta nation. Libère l'atmosphère de ta famille, de ton village. Que le règne de Dieu vienne. Dieu a dit que la lumière soit. La Bible dit la lumière fut. Cette vidéo est une vidéo de prière, une vidéo de proclamation. Déchaîne-toi dans la prière. Brise les chaînes de la mort. Brise les chaînes des esprits impurs. Brise les chaînes des mésententes. Brise les chaînes de la guerre. Brise les chaînes des esprits sanguinaires. Libère l'atmosphère de ta nation. Libère l'atmosphère de ta maison. Libère l'atmosphère de ton pays. Libère l'atmosphère du continent africain. Libère l'atmosphère de chaque continent. L'Europe a besoin de Jésus-Christ. L'Afrique a besoin de Jésus-Christ. L'Amérique, l'Asie, l'Australie, partout. Il faut que la parole de vie soit prêchée. Il dit, j'enlèverai vos cœurs de pierre et j'y mettrai des cœurs de chair. Nous devons avoir les cœurs selon Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Dieu existe, pourquoi tant de souffrances? Le problème, c'est que Dieu nous a créés libres. Dieu n'oblige personne. Il nous a créés libres. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Mais je te conseille de choisir la vie. Ce sont nos choix. Ce sont nos choix qui nous créent des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de détruire la planète tous les jours. C'est cela. C'est pas Dieu. Et c'est pas sa volonté. Et il dit même dans sa parole, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si Dieu dit que sa volonté doit être faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que ce qui se passe sur la terre, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Donc invoquons Dieu. Soyez des hommes et des femmes spirituelles. Soyez des hommes et des femmes de prière. Quand vous êtes désespérés, mettez une adoration. Prenez la Bible, lisez-la. Si vous n'arrivez pas à lire, mettez la Bible en audio et écoutez. L'atmosphère autour de vous va changer. La vie vient de Dieu. Et la Bible dit, en elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Je vais lire. Eva. Okamu mazele, nuno. Okamu mazele, nuno. Yeah, yesigo. Kerion de ribosha. Eva, Eva, Eva. J'ai dit, la louange, c'est pas seulement quand tout va bien. On peut louer Dieu dans les moments difficiles. Même en pleurant. Loue le Seigneur. Installe son règne. Parce que la louange installe le règne de Dieu. J'ai lu l'évangile de Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. En elle, il y avait la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Oh, alléluia. Lisez la Bible. La vie va sortir de là pour entrer en vous. Mettez des temps d'adoration. La vie va sortir de là. Parce qu'en elle, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a l'espoir. Dans la parole de Dieu, il y a le miracle. Dans la parole de Dieu, il y a la lumière. Et quand on installe la lumière, les ténèbres s'enfuient. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette vidéo est une vidéo d'espoir, une vidéo de prière, une vidéo pour vous
galvaniser, pour dire, quel que soit ce que vous traversez, la prophétie, les paroles du Seigneur sur vos vies s'accompliront. Les paroles du Seigneur sur votre famille s'accompliront. Les paroles du Seigneur sur votre nation s'accompliront. Il a des projets de paix.